بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Le quatrième objectif à ce sujet du commencement de Ramadan est de prier la nuit de Al-Qadr. Allah subhanahu wa ta'ala de sa miséricorde pour cette communauté a fait qu'une nuit de l'année soit meilleure auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que 1000 mois. Cette nuit s'appelle Laylatul Qadr. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran al-Karim, بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. C'est-à-dire, nous l'avons certes fait descendre pendant la nuit de Al-Qadr. Et qui te dira ce qu'est la nuit de Al-Qadr? La nuit de Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci, descendent les anges ainsi que l'esprit, Ar-Ruh, c'est-à-dire Jibril alayhi salam, par permission de leur Seigneur pour tout ordre. Elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. Le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam nous dit « Le mois de Ramadan vous est venu. C'est un mois béni qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a imposé de jeûner. Durant ce mois, les portes des cieux sont ouvertes. Les portes de la Géhen sont fermées et les diables sont enchaînés. Allah subhanahu wa ta'ala a dans ce mois une nuit qui est meilleure que 1000 mois. Celui qui est privé de son bien est vraiment privé de tout bien. Le hadith est rapporté par l'imam al-Nasa'i. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit au sujet des bienfaits de cette nuit dans le célèbre hadith « Man qama laylat al-qadri imanan wa ihtisaban » Quiconque accomplit la prière nocturne pendant la nuit de Al-Qadr avec une foi sincère imanen, et en recherchant la récompense divine et tisave, se verra pardonner ses péchés antérieurs. Le hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc voilà le bienfait de cette nuit cité dans ce hadith. Donc le croyant doué de raison doit impérativement se fixer comme objectif d'atteindre cette nuit et de prier pendant cette nuit bénie afin d'obtenir par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala cette immense récompense. Wallahu a'lam. En espérant que cette vidéo a été profitable pour tout le monde, n'hésitez pas à partager à vos proches, à vos amis. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.